Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à mettre un équipement de protection individuelle, plus souvent appelé EPI. Plusieurs techniques existent, mais nous nous concentrerons sur l'une d'entre elles, spécifique au milieu aquatique. Premièrement, assurez-vous que vous possédez un EPI approprié au milieu aquatique avant toute mission de surveillance. Si vous devez intervenir auprès d'une personne de votre entourage restreint, il n'est pas nécessaire de mettre un EPI. Celui-ci devrait être composé au minimum d'un masque chirurgical, tissu ou essuie, d'un masque FFP2, d'une visière ou de protection oculaire, d'une paire de gants, de ciseaux et de savon ou gel hydroalcoolique. Commencez par vous laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. Placez votre masque FFP2 en le tenant par les lanières que vous viendrez placer à vos oreilles. Ensuite, venez pincer le masque au niveau de votre nez et étendez la partie inférieure afin de rendre le contour du masque étanche. Enfin, vérifiez l'étanchéité en plaçant vos mains par-dessus le masque et en expirant puis inspirant profondément. Si de l'air passe par les côtés du masque, ajustez-le et recommencez l'opération. Placez ensuite votre visière. Pour ce faire, attrapez-la par le tour de tête. Lavez-vous une nouvelle fois les mains, comme expliqué précédemment. Placez enfin vos gants comme ceci. Mettez le premier gant en le tenant par l'extrémité où vous l'enfilez. Faites de même pour le deuxième gant. Durant toute l'opération, gardez bien à l'esprit de toucher le moins possible l'extérieur des gants, afin de diminuer les risques de contamination. Et voilà, vous êtes enfin prêt pour votre intervention.